Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume, on se retrouve pour l'épisode 69 des 1000 vaches, je suis en compagnie d'Alexis. Bonjour. Et c'est tout, puisque les marmottes sont encore en train de dormir, voilà. C'est l'hiver, elles commencent à hiberner. Donc, on les reverra certainement sur le 60... le 65, oula. Sur le 25. Le Farming 65, ouais, je suis un peu en avance, ouais. Je suis un ouille en avance. Dans cette vidéo, on va... continuer ou pour vous, pour ceux qui nous suivent pas en live, on va faire de l'ensilage. Puisqu'on a besoin d'ensilage pour nos meumeux. En gros, on est. Alors, à mon avis, on n'aura pas les 1000 vaches avant la fin de la saison, puisqu'il reste 3 ou 4 épisodes grand max. Et qu'on est à 550 par là, 550 vaches. Et qu'on galère à leur donner à bouffer. Donc, ça va être compliqué. Bref, c'est pas grave. On va essayer d'en avoir un maximum possible et on verra bien à la fin. On fera les comptes. Si tu découvres la chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être notifié des sorties des vidéos. Sachant que le 25 arrive bientôt, vous allez avoir beaucoup de contenu qui va arriver sur la chaîne. Puisqu'on a pas mal de projets en cours de démarrage, en cours de réflexion, en cours de... voilà. Donc on va voir un petit peu tout ça à la sortie du 25. N'hésite pas à mettre un pouce bleu aussi, ça soutient la chaîne, ça nous soutient moralement. Et ça soutient, ça soutenait la Kuma de la série. Mais par la suite, ça soutiendra aussi dans le 25, ça soutiendra aussi la ferme ou les trucs comme ça. Si tu veux soutenir la chaîne LFD, c'est le petit instant promo. Tu as des liens dans la description, soit sur le site GamesPlanet pour avoir le jeu Farming 25 en précommande avec une petite réduction de 10%. C'est toujours bon à prendre. Ou sinon, via le lien Giant Partner qui permet de rétribuer la chaîne LFD via vos achats. Et ça me permet d'avoir des nouveaux trophées. Voilà. nous, on va démarrer la vidéo parce qu'on a pas mal de boulot. On est que deux pour faire de l'ensilage. Ça va être compliqué. Mais on va y arriver puisqu'on est à la LFD. Allez, let's go! Alors, bonjour Hello. Pourquoi tu t'appelles Hello? Bonjour, je sais pas. tu prends l'ensileuse, tu prends... ouais? N'importe. Bah je sais pas, je vois que t'es déjà parti. Donc t'es pas dans ton tracteur. Bon, allez. Je suis au même endroit. Je vais commencer avec le tracteur. Oh, attends, j'enlève mon truc. Hop là. Donc après. on est à plus de 700 000 euros. Quand même. Oui. Quand je me vois tout ce qu'on a encore à revendre, parce que là, grosso modo, allez. Il reste encore 3 épisodes à peu près. Sachant que le dernier épisode... allez, on va dire 4 épisodes avec celui-là. Sachant que le dernier épisode, c'est là où on va tout revendre. Ouais, je pense qu'il y a moyen... Il y a moyen qu'on se fasse des thunes. Il y a moyen de moyenner. Ouais. Parce qu'avec tous les champs qu'on a, tout le matériel qu'on a... Et toi, par contre, ce que je pensais, là, toi, la Kuma, pareil, on va tout revendre. Par contre, elle va récupérer 100% de son budget, la Kuma. Ouais. Non, dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux en marchant. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Peut-être. Trop loin le pédale. Comme ça, la Kuma, elle aura un gros...
Parce que, bon, tu me diras, elle a pas beaucoup de matériel, parce qu'elle a l'ensileuse, la moissonneuse, 2-3 bricoles. Mmh. Et je pense qu'ouais, elle, elle aura son... Son budget. Je prends une pile là qui est à droite. Oui, bah oui, que David y fait, là. Ah, puis, moi... c'est tellement penché que... Ah bah là... Bon, heureusement que le camion... le tracteur, il est pas plein. On a bien vu ce que ça donnait hier soir. Hein. Allez, pépère. Whist. Je suis pied planche, là. Si j'appuie plus sur la pédale, je traverse le plancher. ça fait du bien quand même de refaire de l'ensilage. Ouais. Bon, ça serait mieux si on était un peu plus nombreux. Mais bon, comme voilà, on en parlait un petit peu pendant les lives aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Xeno074 hein, quand je suis en live. Le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va voir, parce que là, nous, on tourne les épisodes le dimanche matin, en fin de matinée, vers les 11h, 11h30. Et on se rend compte, au final, que... bah, on peut pas être nombreux, en fait. Et qu'on est plus souvent nombreux en fin de journée. Donc on va essayer, nous, de tourner... Alors, le problème, c'est que si j'y pensais, c'est si on tourne le samedi soir... Le live va être décalé par rapport au... Ah, non, mais je sais ce qu'on va faire, Alexis. Ah, ah je suis plein, ouais, déjà, d'une. Non, non, mais de toute façon, déjà, les 1000 vaches sur le 25, je pense que ça va être... grosse partie sur... sur des vidéos. Ouais. Pas forcément des lives. De toute façon, vous n'aurez pas la sortie du 25 tout de suite. Si vous aurez la sortie du 25, vous n'aurez pas la sortie des 1000 vaches tout de suite. Le temps qu'on n'ait pas une map qui s'y prête. Ou une map qui nous plaise pour tourner cette série. Voilà. Parce qu'on n'a pas non plus envie de changer de map toutes les 36 du mois. Mais. Je pense que ça sera essentiellement des vidéos. Les lives, vous les aurez sur d'autres séries. Sur du farming. Ou alors sinon, si on fait des lives 1000 vaches, il faudra qu'on les fasse le vendredi soir. Ouais. Voilà. Ce qui peut être pas mal aussi. Là, on va refondre un petit peu. Là, on va en profiter de la sortie du 25 pour... Allez, pépère. Pour revoir un peu tous nos plannings, revoir toutes nos séries, les trucs comme ça. On va en profiter. Parce que du coup, comme on disait avant la vidéo, si il n'y a plus de tournage le dimanche matin, bah moi ça me libère le dimanche matin. Peut-être le retour de Café Croissant Mapping. Qui sait? Bon, allez-y, il le sait, mais... hein, de quoi? De quoi? De qui? Qui me parle? On prend de rien, moi. Ah. Non, puis là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'hiver, bah, du coup, moi, je suis moins à l'extérieur, comme je disais, comme j'expliquais. Oula. Bon, vous avez rien vu, vous fermez les yeux, hein. Vous êtes à la LFD, c'est normal. Merde, je suis
Elle est où l'ensileuse? Elle est en bas? Ouais, non, elle est. Oui. Non, elle devait recommencer à remonter. Je sais plus ce que je dis, ça, tiens, du coup, avec ces conneries. Ben, Dieu, putain, je fais du drift. oui, du coup. Du coup, à voir. Comment on s'organise? Ouais, je pense qu'on va revoir un petit peu toute notre organisation. Et je pense que ça va nous faire du bien, nous aussi, de revoir. Peut-être même tourner des épisodes dans la semaine aussi, d'autres séries. Ça peut être pas mal. En fin d'après-midi. Genre le vendredi, par exemple. Je suis à côté de l'ensileuse. J'arrive avec ce qui manque dans l'ensileuse, c'est-à-dire l'additif. Ah! Ah, il a. On avait ça, nous, à la ferme? Je sais pas, j'ai trouvé ça il y a pas longtemps, alors. Ouais. Non, mais on l'avait à la ferme ou tu l'as acheté? Non. Moi, ça me dit rien. Mais j'ai trouvé ça, alors j'ai pris. Parce que ça me dit rien. Ça me dit rien du tout, ça, d'avoir acheté. Ah, pas non plus. J'ai vu ça, je croyais, donc. Mais. Par contre, ça fait ridicule à côté. Hein. Ouais, mais ça fait pour. Oh mais. Bon. Je sais pas si tu peux remplir directement comme ça, si, c'est bon. Et ça se remplit. Bah, on avait peut-être acheté ça, je sais plus, je me rappelle plus. Avec tout ce qu'on a à force. Attends, je vais enlever, ça va nous emmerder. Ouais, mais le vers le poteau là. Je pense que là il y a un frein de parc. Ah, il y a un frein de parc qui s'est mis. Ah, ça c'est cool. J'ai trouvé le bouton. Normalement, c'est entrée du numpad, je crois, un truc comme ça. Ah, moi c'est point virgule que j'ai oui. Pu de numpad. Comment ça, t'as plus de numpad? Ouais, le clavier il a rapetissi. Ah oh, putain, et ben moi je pourrais pas prendre un clavier sans numpad. Marc, tu me diras si pour CS, si ça pourrait me faire de la place sur mon bureau. Mais bon, je me suis fait un bureau tellement grand. En final, c'est vrai que je gagne de la place sur mon bureau, mais j'ai. Bon, j'ai tellement de merde dessus. Voilà. Moi qui me suis dit, ouais, je vais me faire un bureau propre et tout, câble management, nickel et tout. Bon, au final, les câbles, il y en a un peu de partout. Aïe. Dommage qu'on puisse pas mettre des photos dans les commentaires YouTube. Sinon, je vous aurais demandé de vous prendre en photo votre bureau. Hein. Mais au pire, dites-moi sur votre bureau, voilà. Soyez franc, moi je sais que c'est le bordel, voilà. C'est le bordel, j'ai des papiers dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai mon support téléphone qui est là. Faut que je me trouve un support... Ah, support téléphone MagSafe. Mais ouais, moi c'est un peu le bordel. J'ai un ventilateur d'imprimante 3D, ouais. Hein. Si tu veux, j'ai un support de téléphone MagSafe qui me sert plus. Ah bon? Ouais. Bah, tu m'en enverras une photo. Je te dirai si ça m'intéresse. Je suis plein. On va faire tout le tour du champ. Hop là. Non, marche avant. Toc. Ça déjà, ça me permettrait de supprimer un... Parce que j'ai une base de recharge là, mais elle est pas MagSafe. Ah oui. Ça, mais ouais, c'est un peu le Bronx sur mon bureau. J'ai des câbles, j'ai des supports, j'ai... Je me sens moins seul alors.
Là, j'ai une GoPro qu'on m'a filée pour régler ce week-end. J'ai des mouchoirs. Et les mouchoirs me servent à moucher. Ah. Je précise. Pas d'esprit mal placé ici. Et j'ai surtout beaucoup de papier. Des papiers avec des conneries dessus, des plans... Des plans satisfactory, des trucs... Ça, c'est mon courrier de DS3 pour l'airbag. Ah. Ça, faudrait que je le classe et que j'y... Voilà. Bien. Non, mais faut que je me reprenne un... Ah. Vous voyez, la gaming room, elle a plus d'un an. J'ai un tableau blanc, là, qui est sur ma gauche, là, contre un mur. Mais j'ai encore les plans de la gaming room dessus. Ça, ah je pourrais y effacer, la gaming room, elle est faite. Bientôt, en vidéo, en Satisfactory, vous allez voir quelqu'un dessiner sur un tableau blanc. Ça peut. Ça peut, ça peut. Hop là... Non, mais toi, je pourrais déjà préparer les plans d'une carte future, par exemple. La carte 1, 2, 3, 5, 10 ou 20. La... Je peux préparer les plans. 72. Bah, celle de Farming 31. Ah oui, je pense. Ah oui. Ok. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il y a un arbre qui me fait chier, là? Pourquoi faut qu'il y ait pile un arbre qui me fasse chier? Et c'est la personne qui avait mis des arbres. T'imagines, ouais? Farming 31, ça voudrait dire qu'on est en 2030. On est en 2030. Bah, arrête, hein, c'est bientôt, hein. Bah... On parle comme ça. Attends, oui, non. 2024, hein. Attends, là on va passer. Oui. Là, on va passer à 2025. Donc, s'ils y remettent 3 ans, c'est 2028. Ouais, donc 2031. Plus 3 ans, c'est 2031. Ouais, c'est ça. Donc, dans deux farming, on est en 2030. Arrête. Oh merde. Et moi, en 2030, j'en aurai 51. Ça pique. Ça pique. Ça, j'en aurai 29. Oh merde. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous aurez en 2030. Voilà. Là, le mec... Non, dites-moi de votre âge de maintenant, puis voilà, je peux calculer, mais non. Dans les commentaires, je veux votre âge en 2030. On fait déjà assez de calculs comme ça, hein. Ah. Je suis trop loin, j'avance trop vite. J'avance trop vite. Ouais, moi ça me fera 51 ans. Peut-être qu'on sera plus là. Peut-être qu'on sera toujours là. Moi personnellement. Pour l'instant, j'adore. Tu seras encore là. Bah pour l'instant, voilà. Moi après, ça va être. Il y a plusieurs facteurs au fait que j'arrête YouTube. Soit ma santé physique. Voilà. Ça, c'est indépendant de ma volonté, hein. Si je tombe malade, ou si j'ai un accident, ou ceci, cela, bref. Enfin, même si j'avais un accident et que je devenais... Enfin si, il faudrait que je sois tétraplégique pour... voilà. Pour plus faire de live, des trucs comme ça. Mais voilà. Après, la deuxième chose, ça peut être un changement de situation familiale. Si jamais je trouvais la... Ah, si, attends-moi, je suis pied blanche. Si je trouvais la moitié de ma vie, voilà, on sait jamais, hein. Sur un malentendu.
Peut-être que tu es célibataire, tu es dans la quarantaine, que tu regardes la vidéo. N'hésite pas à écrire. Ah, ce qu'il oublie de préciser, que tu es blonde à forte poitrine. Non, à ce niveau-là, maintenant, je prends tout. J'ai revu mes critères à la baisse. Bien sûr, on plaisante, hein, on plaisante. Mais bon, voilà, si tu es célibataire, 40 ans, que tu es une femme, bien sûr, hein, parce que les hommes, non, c'est pas trop mon truc. Puis les femmes ou les trucs un peu bizarres, là, non plus. Hein. Je suis pas contre, hein, mais non, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie ici? Et c'est pas prêt de s'arranger. C'est voilà, ouais. Ça, s'arrange pas. Ça peut être ces deux choses-là, voilà. Une maladie, enfin, les conditions physiques, ou le changement de, wow. de statut, ou alors bah, financier, quoi, tout simplement. Ou alors plus l'envie, plus de motivation aussi. Moi, bon, je pense pas, parce que. Même si. Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Mais. J'adore faire ça en fait. Voilà. Pour moi, c'est un peu. Pas une thérapie, mais. C'est le moment où. Bah, je peux déconnecter complètement en fait, je pense à rien d'autre. Et du coup, pour moi, ça me fait du bien en fait. Parce que j'ai pas été diagnostiqué hyperactif, mais je pense que je suis hyperactif. Parce que j'ai le cerveau lent déjà. Non. En fait, je suis toujours en train de penser à plein de choses en même temps. Et c'est aussi pour ça que je ne finis jamais ce que j'ai commencé. Parce que je fais un truc, et pendant que je fais mon truc, je pense à autre chose. Et quand je pense à autre chose, bah, ça me dit, bah tiens, on va faire ça. Du coup, je finis pas ce que j'ai commencé avant, et ainsi de suite, en fait. Je sais pas si... Comment ça, vous ne pouvez pas effectuer cette action ici? Ah bah c'est bien, je peux pas vider, si. Donc du coup, ouais, j'ai tendance voilà, à pas finir les choses que j'ai commencé. Parce que je passe vite fait à autre chose, en fait. Et c'est un petit peu mon gros défaut. Mais, donc du coup, YouTube, Twitch, enfin les lives et les vidéos, ça me permet de me focaliser sur une chose. Et puis pour l'instant, j'ai pas le physique non plus d'un papy, donc... ça aide aussi. Ça permet de rester jeune. Ah mais... Quand je vois des gens, des fois, qui ont mon âge, voire plus jeunes que moi, et qui ressemblent déjà à des papis, je fais « Waouh !» Alors, à ce niveau-là, j'ai de la chance. Parce que là, moi, c'est pareil. Bon, vous me connaissez ou vous me connaissez pas, mais... déjà, tout le monde me dit que je fais plus jeune que ce que je parais. Donc déjà, bah merci. Même des collègues de boulot, hein, quand je leur dis j'ai 45 ans, ils me disent c'est pas possible, c'est pas vrai. Bien souvent, on m'en donne non. Allez, entre 35 45? Et 40. Ouais, 45, ouais. Putain, je t'en aurais donné 160. Ah, merci, c'est gentil. Et le pire, c'est que si là, je suis barbu, si je me rase. Oh, bah là. Mais là, je. Là, t'es donnez... un enfant, là. Vous me donnez la trentaine, quoi.
Mais faudrait qu'on fasse un défi comme ça une fois. X pouces bleus, je me rase complètement. Ouh, alors là, attention, hein. Ouais, mais attends, ça sera un genre un 1000 pouces bleus ou un truc comme ça. Hein. Ouais, t'inquiète. L'autre, il va faire 999 comptes. Ouais, pour ça, c'est pas dérangeant, hein. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand t'es... Quand t'es habitué à voir quelqu'un qui a la barbe et tout, et que derrière, pouf, il se rase. Mais tu vois, ça rajeunit vachement, quoi. Donc voilà, donc théoriquement en 2030, en 2030 pour la sortie de Farming 31, on sera toujours là, je vous dis, hormis pas catastrophe naturelle, mais hormis problème de la vie courante. Et ben on touche du bois et du savage, hein. Bon après, si je trouve une madame, il y aura des conditions quand même. Par contre, ça sera un peu moins, je pense, parce que si je commence à lui dire, bon, alors ce soir, le lundi soir, le mardi soir, le mardi soir, il y a un arbre. Il y a un arbre. Alors attends, faudra que je passe derrière toi pour que la buse soit. Tac. Ouais, si je trouve une madame et que je commence à lui dire, bon, alors le mardi soir, le lundi soir, le mercredi soir, et le vendredi soir et le samedi soir, tu comptes pas sur moi parce que je suis en live ou machin, je pense que la madame, elle va vite partir. Oui. Ah, attends, j'ai rien allumé. Pousse. Ah, attends, faut que j'avance, du coup. Bah oui. Ah, ça marche mieux. Donc, et si en plus je lui dis que le mardi et le jeudi, je joue à l'ordinateur avec un pote, je suis plein. Et qu'ensuite tu leur rajoutes tel soir, tel soir, tel soir, en plus des lives et quand tu joues, il y a vidéo. Il y a tournage de vidéo. Ouais, bon, je comprends pourquoi je suis toujours célibataire en fait. Ou alors faudrait que je tombe sur une gameuse, mais une gameuse de mon âge, c'est compliqué. Donc si tu as entre 20 et 30 ans, que tu es gameuse, que tu aimes les vieux jeunes, ou les jeunes vieux, t'as le mec qui fait vraiment son marché et tout. Ah là là. Bon, on va essayer de remplir encore un peu ce silo là. Et après, on va attaquer celui d'à côté. Mmh. Je sais pas combien on est, mais on a dû dépasser le million de litres. Bah c'est vite assez maintenant, comme ça on peut le fermer aussi peu derrière, on attaque l'autre. Hop là, là. Et sachant qu'on a fait même pas la moitié des champs. Ouais, c'est ça qui fait peur. Le problème c'est que je peux pas le remplir le silo parce que je suis trop haut. Nous sinon vite dans l'autre, hein, tant pis. Bah faudra le tasser, au pire faut le tasser. Et puis je pourrais en remettre après. Ah putain, j'ai du mal à marcher arrière. Ah. Je crois que t'es planté, non? Ouais. Mais...
Alors, il me faudrait une sangle. Pour. Ah! Ça tombe. Ouais, non, ça c'est un coup. C'est le Gerbotron 3000, ça. C'est le Gerbotron 3000. Mais c'est pas comme ça qu'il faut. Là, attends, je vais aller chercher un tracteur qui tasse. Il est où d'ailleurs? Bah, il est passé où le Xerion? Ah, il est là. On n'avait pas une lame Si, elle est rangée. Ouais, Ouais, mais je l'ai c'était la lame rangée. du Ah, télescope, c'est non? non, c'est sage. Possible, ouais. Tu sais qu'on a un truc chasse-neige qui traîne. Ouais, mais le chasse-neige, je crois qu'il fait pas pour le. Je crois qu'il fait pas pour l'ensilage. Oh, attends, Oui. hop, on va aller le chercher. Bien pratique ce genre de tracteur, je trouve, hein. Hop. Hop, ah, oula. Hop là, personne n'a rien vu. Attends, bah je tourne la roue depuis tout à l'heure. Bon, en vrai, je suis même sûr que le mec a une ferme avec une lame de déneigement, il s'en sert aussi pour l'ensilage. 53%, au secours. Ouais, Ah oui, c'est vrai, tu peux braquer là. comment ça? Ah bah il casse son tracteur, David, c'est pour ça qu'on cale avec. Ah! Bah, forcément. Je sais pas si elle fait pour l'ensilage, celle-là. Je crois pas. Bah non. C'est dommage. Ouais. C'est dommage que je le fasse pas pendant l'ensilage. Parce que les autres pour l'ensilage, elles. Bon, après, si. Allez. Vu qu'on a de l'argent, un petit peu d'argent. Hop là, Ouais. tiens. Tac. Hop. Alors. Non, on va faire comme ça. Ça Tac. frotte. C'est quoi? C'est Alt Shift S. Tac. Au pire, on va le louer. J'ai envie de m'en servir. Parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent. Ah, des véhicules exprès là? Ou autre Si ça chose? veut. Hop là. Ensuite. Non, non, non. Regarde, je fais comment pour la cligner maintenant? Oui, c'est comme ça. Tac.
Jeu vidéo ou pas? Là, je peux. Allez, monte. Ah. Alors on est concentrés tous les deux parce qu'on parle plus du tout là. Allez, c'est vide. Ça te comble un peu les trous. Est-ce qu'on peut encore en mettre des litres là-dedans? Oh oui. Problème, c'est comme j'ai mis le truc à l'entrée du silo, du coup ça nous fait une grosse gros, un gros tas à l'entrée. Et j'arrive pas à l'emmener au fond en fait. Que chaque fois ça me le vide là. C'est bon. Allez. Allez, pépère. Allez. Bon, on doit pouvoir en caler d'autres, Deben. Tac. Allez, on va retourner en silé. Prends le tracteur, Alexis. Ouais. Un peu dans la sileuse. Si je la trouve.
Ouais, parce qu'on a encore celui-là de champ. Hop là, en ensilage. Donc, pour le coup, ouais, parce qu'on a encore le 12, le 6. On a encore la grande parcelle là. On a encore le 17 aussi. Ouais. On fera du gras après. Ouais, je pense qu'on fera du grain. C'est ça. J'avais peur que ça ne marche pas. Ah, ça la remplit pas. Ouais, là, ça la remplit. J'y pense. Des images du jeu, là. De Farming Ouais. 25. On va en avoir bientôt. Il y a bientôt la Paris Games Week. La Paris Games Week. Ah oui. Oui, Parce que là, c'est c'est vrai. dans 8 jours, je crois, la Paris Games Week. Oui, un truc comme ça. Parce qu'en général, c'était toujours le dernier week-end d'octobre, un truc comme ça. Donc là, à mon avis. Dites-nous si vous allez. S'il y en a qui vont à la Paris Games Week. Moi j'y vais pas cette année, ça m'engendre trop de frais. Ça m'engendre trop de frais. Bon, enfin, j'y monte pour une journée, mais ça fait monter vachement tôt le matin. Puis y aller tout seul, c'est pas. Voilà. Donc il aurait fallu que je passe soit prendre David, soit que David vienne. Ça engendrera des fêtes pour tout le monde. Ouais. Faudrait qu'on s'organise ça plutôt à un moment, ouais. Là. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, pas cette année, mais une année. Monter à la Paris Games Week tous ensemble. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ah, mais je suis déjà contre le mur. C'est pour ça qu'il avance pas. Ouais. Mais je pense qu'ils vont montrer le jeu à la Paris Games Week. Parce que c'est le dernier gros salon jeu vidéo. T'as un problème, Alexis? Je te vois pas arriver au. Non, non, j'arrive. C'est juste qu'il fallait remonter. Ah. Trop de choses au même endroit là-dedans. Ouais, il y a un peu beaucoup de tracteurs. Attends, je vais redescendre.
Allez. Pratique quand même cette petite dameuse là. Alors. Il est pas vidé? T'as remis les flexibles? Ouais. À l'instant? Ouais. Il est l'heure de l'apéro. Ouais. Et oui. Je te laisse redescendre du tas. Bon, théoriquement, normalement, tu monterais pas comme ça avec une benne, mais... Oui, bof. Ok. Hop. Ouais, il est 10h, ça va être l'heure de l'apéro. Ça va être l'heure du café. Voilà. Moi j'ai midi 8. Moi bah, j'ai 10h10. 10h11. Ah. Hop. Bon, nous les amis, on va se laisser là. On a déjà pas mal avancé. De toute façon, on terminera dans les prochains lives. Donc, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Xenon074 sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Hein. De toute façon, vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez juste un compte à vous faire, un mail, un mot de passe. C'est pas compliqué. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Sur ce, bye bye. Ciao! Au revoir!